L'idée de la SIC Mayenne Bois Énergie, c'est simplement de produire une énergie locale pour la consommer localement. C'est ça l'idée de base, mais pas le faire n'importe comment, c'est de le faire avec une éthique, une charte. La première chose, c'est de le produire de façon durable, avec des agriculteurs locaux qui s'engagent dans le temps à utiliser leurs haies de façon harmonieuse. Et puis, c'est aussi d'avoir du bois issu des forêts, puisqu'il y a plein de bois dans les forêts qui perdent. Et c'est de valoriser ce bois grâce à des structures d'insertion qui vont le chercher. Donc ça nous permet de créer de l'emploi et de la réinsertion. Et c'est aussi de prendre du bois des structures industrielles, c'est-à-dire des scieries. Donc tout ça, ça nous fait un mixte, un ensemble de fournisseurs qui nous permet après de fournir une quantité suffisante de bois pour des chaufferies locales. Alors, cette filière en fait a commencé il y a à peu près une dizaine d'années et vraiment est structurée avec la concrétisation de la création de la SIC en 2008. C'est vraiment une volonté territoriale, une volonté politique forte du pays de la Haute-Mayenne de mettre autour de la table tous les acteurs intéressés par cette filière bois, cette énergie locale. L'aspect coopératif, c'est simple, hein, c'est un homme, une voix. Et ça, on y tient énormément. Effectivement, chaque adhérent a le droit à la parole et est convié à donner son avis. On a mis en place un comité d'orientation. Un comité d'orientation, c'est très simple. Ce sont des représentants de chaque collège de notre coopérative. Les décisions importantes, les orientations sont toutes discutées, débattues en comité d'orientation. Le collège usager, c'est de défendre d'avoir un prix raisonnable, ce qui s'entend, hein, c'est normal. C'est surtout d'avoir un bois de qualité. Donc ce que réclame l'usager, c'est d'avoir du bois qui rentre dans leur chaufferie et qui fonctionne bien. Et donc ils font entendre ce souhait. Et c'est très intéressant parce qu'à côté, on a le collège fournisseur de bois qui a également ses contraintes et qui explique qu'il fait de son mieux et que s'il y a des problèmes, c'est pas forcément de son fait et généralement c'est très bien compris par l'usager. Et également le fournisseur comprend qu'il doit fournir du bois de qualité parce qu'il comprend que l'usager a des contraintes avec sa machine. Donc c'est très intéressant ce fonctionnement par collège. Les partenaires politiques et techniques sont les garants de notre éthique, c'est-à-dire du bois environnemental, social, avec une dimension qualité indispensable.